Cette construction aérienne que vous pouvez observer n'existait pas en 1828 lorsque le plan cadastral est confectionné. De telles constructions ne sont pas rares dans nos villages méridionaux. Dans les documents anciens, on les nomme des andrones ou des andronettes. Elles ont pour fonction, comme vous pouvez le constater par vous-même, de pouvoir passer d'une maison à l'autre sans devoir traverser l'espace public. Ces constructions étaient donc qualifiées quand tel ou tel propriétaire devenait le propriétaire de l'édifice d'en face ou d'une simple chambre à l'étage. Les compois qui nous décrivent l'espace villageois montrent que des maisons sont divisées en plusieurs propriétaires, un tel détenant le bas, un autre le haut. Dans un espace extrêmement contraint derrière des remparts, où la seule possibilité d'extension se faisait dans la verticalité, ce qui augmentait sérieusement les coûts de construction en nécessitant des murs plus épais, pouvoir acquérir une pièce à l'étage dans la maison d'en face était une aubaine, car peu de maisons pouvaient sans risque ajouter un étage. Aujourd'hui, la plupart de ces constructions ont disparu, ce qui nous empêche de nous rendre compte combien elles pouvaient être nombreuses par le passé. Dans les villes, elles étaient légion, et un grand voyageur du XVIe siècle, qui visita dans tous les sens le sud de la France, nous rapportait dans ses mémoires de voyage que dans les villes du Midi, on pouvait déambuler les jours de pluie sans se mouiller.